Voilà, c'est parti, on lance le timer. Comme je dis, donc c'est parti pour 40 minutes sur Doom, sur PC, un jeu qui m'a été offert par Berserker. Encore une fois, merci à toi, Aurélion, sur le chat, pour ceux qui veulent le remercier. Nous sommes actuellement dans je ne sais plus quel niveau, mission 6 ou 7, je ne sais plus. Et je cherchais le dernier trésor, enfin le dernier trésor, oui, il me manque un secret là dans le coin ici, que je n'ai point trouvé. Et je pense en fait qu'il était planqué, voilà, là. Vous voyez, ici, on dirait qu'il y a une salle. Ah non, je crois que cette salle-là, justement, je l'avais visitée, et que le secret. C'était cette zone-ci, là, qui descend comme ça. Ça me paraîtrait plus logique. Pourtant, il me semblait l'avoir visité, mais impossible de savoir si du coup c'est ça que j'ai raté ou pas. Parce que la dernière fois, on est redescendu ici et on a vu qu'il y avait une porte que je n'ai pas pu ouvrir. Donc là, on est à la toute fin du niveau et il nous manque un trésor. Et donc, malheureusement, à partir d'ici, je ne peux pas remonter. Non, c'est à partir de là. Je ne peux pas remonter ces plateformes-là. Malheureusement. Donc du coup, je ne peux pas aller voir ce qui se passe là-haut, je crois. Tant pis, il va falloir faire avec, hein. J'ai l'impression que tu as plus de secrets que moi. Bah alors, c'est quoi ce boulot? Hein? On fait le travail qu'à moitié? Dire bonsoir à un mirage, n'est-ce pas bizarre? Bah, ça dépend du point de vue. Voilà, c'est la beauté de la chose. Voilà, donc on est arrivé à la toute fin avec un petit tramway ou je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. C'est pas un tramway, je suis d'accord, mais ça suit une rail. Donc on va appeler ça un train. Et fais voir si on s'électrocute si on descend sur les lignes du métro. Non. Rien de spécial. Bon, on avait déjà tué tout le monde, comme je disais ici. Il y a plein de tripes qui pendent dans tous les sens. Et je suis un peu dégoûté quand même de pas avoir pu trouver ce truc là qui me manque. Je vois pas du tout où est-ce que ça pourrait être en fait, mais vraiment pas. Parce que comme je vous dis, ça peut pas être là. On est déjà descendu, il y a une grande porte ici, mais elle mène nulle part apparemment. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de regarder vite fait, c'est où est-ce qu'il se trouve le niveau bonus. Parce que je suis prêt à parier qu'il serait dans ce coin là-bas, mais comme je peux pas y remonter. Ça va être vite calculé, je sens. Est-ce que j'hésite encore à essayer de revenir en arrière ou pas? Ou pas, le marchepied, l'ami. Par contre, j'ai l'impression que la qualité elle a baissé du jeu depuis la dernière fois à paramètres. Vidéo, synchro vertical, mode daltonien, non, on sent. Je trompe, flou cinétique, j'ai horreur de ça. Occlusion. Ouais non, pourtant ça a pas l'air d'avoir chuté ou quoi que ce soit, c'était juste que le jeu a du mal à charger. Et sur quelle mission je suis, c'est une bonne question. Je pense que c'est la 7ème ou la 6ème. Sachant que la 6ème, il me semble qu'elle était aux enfers, donc je pense que c'est la 7ème là. Mais je suis pas sûr. Sur le gardien 7. Coucou Isa! Non, est-ce que je trouverais ça triste quand même d'avoir une occasion de peut-être passer pouvoir passer à côté du truc. Au pire, il y a Lucie. Donc, comme je disais, passer à côté du. D'un des bonus. Là, j'étais déjà passé par là. Toi, je t'avais trouvé, c'est bon. Et là-haut, on avait déjà été exploré. Juste tes mains. Quasiment sûr que c'est là. Ça ressemble trop, c'est trop droit pour un ancien niveau en fait. Enfin pour un niveau correct actuel. Mais ça se trouve l'entrée était par là, il fallait descendre. Bref, sinon on termine ce niveau et puis basta, hein, c'est vite terminé comme ça. L'exploration non autorisée des zones situées à l'extérieur de la base. Je suis bien gentil, on a vu des choses, mais c'est joli la fumée là-bas. Donc là-haut, on avait tué tout le monde. J'avais bien tout vu, je pense, hein, mais à part ce niveau.
Ça va en face, d'accord. Et moi, je vais rater ton message, manière sur Facebook. Ça arrive. Bref, je sais même plus par où j'étais arrivé, ça doit être par là. L'exploration non autorisée. Chute. Voilà, bon bah c'est la fin, enfin. Tant pis, on verra bien. C'est juste triste qu'il me manque cette zone-ci là. Parce qu'on a réussi à faire tous les défis. Il me manque juste ce petit point et je suis convaincu que ça correspond à la. Au niveau secret. Enfin au niveau secret, au niveau de l'ancien Doom. Mais normalement d'habitude on le voit sur la carte, plus ou moins. Ouais, faut repasser. C'est dehors? Non mais là c'est bon parce que j'avais vu une grande porte en bas mais je l'ai pas ouverte du coup et j'ai pas trouvé de levier ou autre aux alentours. Puis d'habitude quand on venait face à la porte, il y avait un... Ouais donc face à la porte, on voit derrière l'autre salle. Complexe de recherche avancée. Au moins, on sait à quelle mission on est maintenant. Comme ça, c'est réglé. Je sais plus combien il y a de missions totales dans le jeu. Ah non, et maintenant j'ai 1070, hein, SAG. Depuis cet été. Donc ça tourne très très bien. J'avais une 770 avant, et grâce au don pour mon anniversaire, j'ai pu acheter une nouvelle carte graphique. Donc voilà, je suis pas à plaindre à ce niveau-là. Des lendemains qui chantent. Aux Champs-Élysées. Ouverture des portes. Du complexe de recherche avancée de l'USC. Ça par contre j'aime pas. Être coincé comme ça sans pouvoir bouger ni quoi que ce soit. Il est temps que nous nous rencontrions. Mon bureau se trouve à l'étage de ce bâtiment. Merci Menhir, mais du coup j'ai continué à avancer. Bon, va falloir que je fasse attention quand même. Alors, on est là. Et on va les gratter dans tous les coins et recoins du jeu. Là, y a-t-il quelque chose? Ça sert à rien que je sorte, je pense. Et franchement, c'est pas dégueulasse là, hein, cet environnement. Il y a encore plein de gens mourus. Oh! Les canettes, ça se jette, non mais oh. Ce vaste centre de recherche, de conception et de production utilise des technologies et techniques de fabrication de pointe pour réaliser des prototypes allant de la robotique à l'armement en passant par un système de communication pour le sous-espace. J'essaie de bien faire le tour pour être sûr de ne rien rater. Voilà, et on va grimper. Là, nous avons de l'essence, si besoin. Où attends-toi? J'ai vu que j'avais de l'essence. Donc voilà. Kaboum! Alors, qu'avons-nous comme objectif? Et 90 pour jouer aux Sims 2. En même temps, quelle idée d'avoir un Mac. Dinosaure. La mission 1. Ah, normalement, je sais bien mission 8, mais pardon, effectivement, oui, mission 8, ça me parlerait plus. Ok, Tirac, désolé pour Twitch. Alors, tournevis, double gain. Alors, tournevis, effectuer 5 glory kills, pas de vis sur des possédés, attaque la jambe droite ou la tête par derrière. Double gain. Alors les possédés, faudrait voir qui c'est. Activer deux tablettes d'épreuve runique. Bon, ça normalement on va le faire. Trouver deux objets de collection. Et ça aussi on devrait pouvoir le faire. Nous avons... Ok. Bon. On sait déjà qu'il y a un truc ici à ramasser. On va quand même refaire le tour au cas où. Bon, apparemment il y a vraiment rien dans ce coin là. On peut aller voir plus loin.
C'est-à-dire... Bienvenue à l'UAC. Bonjour. Merci pour l'armure. Ces toilettes se vident toutes seules. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Plein d'équations et des trucs mathématiques. Ah. D'accord, ça fonctionne tout seul en fait. C'est à partir du moment où on passe la porte, comme ça évite les gens qui oublient de tirer la chasse. Je crois qu'un démon s'est permis quelques libertés. Les toilettes des filles. Ah là là. De quoi ? Ok. Bon, on n'a rien de plus, on va pouvoir avancer. Je vérifierai sûrement très souvent la carte encore une fois pour essayer de savoir... Messieurs, alors on a dit qu'on devait regarder ce que c'était que les possédés. Ce serait pas une mauvaise idée, ça, monstre, possédé, les possédés, c'est eux. Ok, donc va falloir que je les calme. Là, y'a rien que je puisse faire de plus. Ok. Jambe droite, s'il vous plaît. Ça me les compte pas. Pas de vie sur les possédés. Attaquer la jambe droite ou la tête par derrière. A chaque fois, je crois que j'attaque la jambe gauche, c'est pour ça. Non, c'était pas ça que je voulais. Non. T'as plus de bras mais tu m'attaques quand même. T'es embêtant. Mince, j'ai tiré dans la tête. Ok, des munitions. Je suis un peu dégoûté là quand même. Ils ont encore celle 2 sur le dos. Trois coups de crosse à la jambe ou la tête pour faire sûr de pas les rater. Non mais il y a un truc à faire. Je sais pas trop ce que j'ai augmenté, j'ai pas trop fait gaffe mais bon c'est pas grave. Là c'est fermé. Il faudrait que je sécurise la zone mais pour sécuriser la zone... où est-ce qu'il y aurait encore des méchants pas beaux là? Pourtant j'ai tué tout le monde je crois. Pourtant t'as déjà entendu, c'est bon. Cette porte est fermée. Peut-être un truc qui est activé dans la pièce ici. Sûrement ça. Oh venez! J'ai besoin de vous. Non. Ou la tête par derrière. Pas de vis. Je sens qu'il va me gonfler ce succès là, machin chose. Non, toujours rien. On est d'accord, attaquer la jambe droite ou la tête par derrière. Moi je trouve pas ça cool. Comment ça... Non, on parlait des impôts par rapport à Apple, je pense. C'est pour ça, Celt. Par le derrière. Attaquer la tête par le derrière.
Donc bon, gagne des milliards en trichant sur les impôts, donc... Ouais, mais s'ils doivent repuyer les impôts, il faut que j'arrive. Alors j'aime bien essayer de le tirer sur la jambe, je suis au milieu pour le viseur. Ah, je crois que j'en ai réussi un, non? Ouais, ça y est, j'ai enfin réussi. J'ai compris. Non, mais... Ah, c'est agaçant que ça les loupe comme ça, les trucs. Bon, là, c'est ouvert ou pas? Surtout que vous perdez du temps avec tout ça. Le nain, il n'en plus... Ah, coucou mes malins, je t'ai pas vu arriver. Je déteste cette phrase en plus, les munitions... Non. Gagne des milliards, donc ça j'avais lu. Et parfois ça marche pas, je trouve ça assez agaçant. Tout est dit. C'était la jambe gauche ça? Ah oui. Non mais attends, je suis une quiche en plus pour... je confonds la jambe gauche et la jambe droite. C'est pour ça. Bon, j'espère que j'en croiserai d'autres. Le seul problème, c'est qu'il me dit il y a des trucs encore auxquels il faut que j'accède ici, mais il y a plus personne dans les coins. Regardez ces hommes et ces femmes d'exception. Voici les plus brillants esprits, les membres les plus dévoués. Aïe. Voilà, on va essayer de garder les autres pour la fin. Oh, toi, je t'aime pas, dégage. Tiens, attends, j'arrive. Voilà, maintenant, Optio là. Donc sa jambe droite, c'est celle-ci. Non, raté. Mais non! Je confonds encore les jambes ou quoi? Ça, c'est sa jambe droite. Voilà. J'ai du mal à me repérer en fait par rapport à leurs jambes. Nous n'avons pas suffisamment de postulants et notre foi n'est rien sans fidèles. On ne peut pas mener nos travaux sans eux. Sur quoi travaillez-vous, Olivia? Je n'ai pas vu de rapport de votre équipe depuis des mois. Puis-je avoir confiance dans le fait que vous parvenez à maintenir vos distances et à contrôler la situation? Bien sûr. Je crois en notre travail. Mais pour faire des progrès, nous devons être prêts à faire encore plus de sacrifices. Ce n'est pas du progrès, c'est de la folie. Le Conseil comprend la nature particulière de vos travaux et n'ignore pas l'importance de ces sacrifices pour l'humanité. Mais votre jugement ne nous paraît plus aussi sain. Blablabla, au revoir. Alors là, je crois que j'avais vu un PDA. Hop là, ça c'est pour moi, merci. Donc tu me disais, Seg, de revenir un petit peu en arrière, de redescendre. Peut-être que la porte est ouverte du coup en bas. J'y pense. Et d'aller voir les portraits en bas. Assistant de recherche, chef de machin. Qu'est-ce qu'ils ont les portraits? Samuel Hayden. Steven Serafin. Kate C. Collins. Wayne Yang. Le truc, c'est que je connais pas trop l'histoire ou les personnages qui peuvent avoir bossé dessus. Voici les plus brillants esprits. Les gens les plus dévoués.
Et c'est toujours fermé. Non mais décidément, faut que j'en élimine combien à des ennemis avant de pouvoir accéder à cette porte-là. Toi tu m'agaces, chut. Bon bah tant pis, on va continuer à avancer hein. Tant que... Franchement ça me fait trop penser à Dead Space ce genre de lieu. Et là aussi c'est fermé. Bon d'accord, ok, j'ai compris. Continuez au propre risque. Puis c'est devenu tout rouge d'un coup. Oh bonjour. J'ai quasiment pas de vie, c'est embêtant ça. Donc tant qu'on n'aura pas libéré la zone, je sens que je vais avoir des amis. Il va falloir que je fasse gaffe du coup. Excuse-moi, apparemment je t'avais pas tué. Suivant. Là, il y a un bonus, ok. Ça, je récupère. Alors, le bonus, il est où exactement? Il est en dessous, ici. Ah, c'est parce qu'il y a ça, d'accord. Une fois qu'on aura viré ça, je pense qu'on pourra sans problème accéder au reste. C'est quoi déjà ce défi avec un tablette unique et deux objets de collection? Ok, je vérifie l'environnement du mieux que je le peux avant de me lancer dans l'attaque. On sait jamais si on rencontre d'autres amis sur la petite promenade là. Coucou Alice! Comment vas-tu? Bon bah j'ai l'impression qu'il va falloir que je descende, je vois pas ce qu'il y aurait de plus par ici hein. Je n'ai rien vu d'intéressant pour le moment. On va donc continuer. Descente automatique, attention! Bijour! Derrière. Quatre. Et un petit dernier, s'il te plaît. Non, mais je suis trompé. Il fallait que je sois plus derrière, je pense. Et voilà, défi terminé maintenant. On peut terminer ça correctement. Oh, j'ai dit correctement, s'il te plaît. Ma vie, j'en ai besoin. Et je vise de plus en plus mal. Je dois être fatigué ce soir. De quoi, quelle blague? Là, je crois qu'il reste quelqu'un. J'ai l'impression d'être deux fois moins efficace que les fois précédentes. Snipogreve. Là, nous avons des bonus. Les bonus, on verra quand on en aura besoin. C'est-à-dire dans très peu de temps. C'est ça qui fait tout ce bruit là? Comme vous avez de grandes dents. Oh, pardon. Oh, pardon, je t'avais pas eu. Voilà, un petit coup de genou. Qu'y a-t-il d'autre ensuite? Lui, il souhaitait venir nous accompagner. Il sait qu'il disait. Oh, bonjour! Voilà, j'aime bien cette arme. Il est où l'autre? Oh, il est monté! Viens là! Mais redescends! Ouh, lui, par contre, il est un peu plus embêtant. Il en a profité pour me taper dessus. Et de boum. Et de boum. Attends, je suis à toi dans quelques secondes, toi. Ils sont pas très bons, tiens.
Toi, tu t'en vas, s'il te plaît. Bonjour, messieurs. Ah, mais chut. Désolé, je suis concentré sur le jeu, du coup. Hop là, ça c'est fini. Lui pareil. Voilà. Et là il en reste un petit qui se promène. Voilà, kaboum. Y'a plus. C'est bon, ça y est. Et j'ai même pas pris le truc, mais quelle quiche, je l'ai oublié ce truc là. Oh, ça aurait été beaucoup plus rigolo en mode berserk. Mais quel quiche. Je suis déçu par moi-même. Du coup, ça veut dire qu'on a réussi à terminer ce machin-là. On va essayer de remonter et d'aller voir le bâtiment qui était au bout, dans le coin. Je crois que c'était par là. Pourquoi c'est fermé? Il en reste un ou... Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est rien, ce n'est qu'une mise à jour du système. Un prototype de notre porte interdimensionnelle qui me permettra de vous ramener des enfers. Pardonnez le choc, mais je pense que vous n'auriez pas accepté autrement. Je suis le docteur Samuel Hayden. J'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. Par ici, je vous prie. Non, mais j'ai pas envie d'aller voir tout de suite, toi, d'abord. Je voudrais bien aller revenir en arrière et aller ouvrir les machins. Non, mais attendez, ça veut dire que je vais pas pouvoir revenir en arrière pour chercher ces machins-là. C'est quoi, cette arnaque? Sérieux? Ça me schtroumpf, ce genre de choses, moi. J'aime pas être coincé dans un niveau où on a des secrets à récupérer, surtout que... Il me semble que j'ai à peu près tout fait, là. Prenez tout le ravitaillement nécessaire. Ok, en fait, y'a rien qui fonctionne à part ce qu'il nous montre, lui. Munitions, munitions... La destruction de la tour à argent est... catastrophique. Mais je m'engage à vous aider à fermer le portail. Tout ce que nous savons de leur monde, et ce sur quoi nous travaillons, provient des inscriptions découvertes sur un artefact de pierre arraché aux enfers au tout début du programme. Nous l'avons baptisé l'Hélice de pierre. C'est notre bien le plus précieux à ce jour. Une véritable obsession pour Olivia. Nous avons ainsi appris à manipuler l'énergie infernale. Pour la plier à notre volonté et tirer avantage de leurs ressources. Elle nous a aussi conduit à vous. L'Hélice de pierre nous a montré comment maîtriser la puissance du puits. Elle devrait vous montrer comment le fermer. Pendant des années, Olivia a gardé l'Hélice de pierre dans son bureau du laboratoire Lazarus, accessible uniquement par un ascenseur sécurisé. Depuis le complexe scientifique de recherches avancées de l'autre côté du schisme. Vous semblez aimer les armes à feu. Vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut ici. J'aime bien les armes à feu, mais ah. Se trouve au bout du couloir. Merci, messieurs. Maintenant, est-ce que j'ai pu faire tout ce que je voulais ou pas? Ça va, t'as une belle vue là. C'est pas le genre de monde dans lequel j'aimerais habiter, hein. Ah, je récupère mes armes, enfin. Ça fonctionne, ce machin, maintenant? Non, non, mais il fallait ouvrir la porte à partir du moment où... Et à nouveau, je peux pas revenir en arrière. Oh, mais sérieux? Ah, j'ai horreur de ça, quoi. On sait que c'est là-bas, il nous disait qu'il fallait accéder au truc
en passant, en attendant qu'il y avait sur la porte, il y avait marqué qu'il fallait vider le terrain. Et quand on, pour le vider, il fallait qu'on vide la dernière zone. Sauf que voilà, on est enfermé dans une autre. Bon, bah c'est super. Ça me gave. Bon bah tant pis, je suis triste quoi, j'aimerais bien pouvoir revenir en arrière, mais apparemment on pourra pas. Ah, ça me frustre, parce que vous voyez, c'est le... Je sais pas, ça me frustre, j'ai l'impression qu'on nous dit pas vraiment... Ah mais là c'est même plus que vexant quoi, parce que là t'as l'impression que la porte elle est fermée, ça te dit libérer la zone pour qu'il y ait plus personne, enfin pour que ce soit ouvert. Et quand tu libères tout le truc, ça te dit non, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça me vexe. Ça ferait un peu long quand même sur une carte de visite. Je t'engage. Non mais voilà quoi, c'est... C'est un peu frustrant. Parce que du coup on est descendu de quelques étages et il nous manque tous ces trucs là. Il y avait quand même trois machins, bon ça on s'en fout quelque part, mais ça c'était la carte. Et ça c'était un jeton préalateur massonceuse là. Je suis fichtrement déçu. Hop là, un petit peu d'essence. Ouh, je vous ai tous eu. J'ai la flemme. Toi, j'ai besoin de ton matériel. Merci pour le partage. C'est nouveau M16. J'ai 7 petits points que je peux utiliser. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Et c'est quoi? Ça sert ça. Réduit encore davantage le temps de recharge de l'équipement. Allez hop, on va prendre ça, comme ça on aura fini un deuxième, un machin. Ah, je suis déception. Il y a un truc runique juste après. Je suis où moi? Bien sûr, cette porte ne s'ouvrira pas. Ouh, d'un peu plus. Tu veux que je t'aide? Cadeau. Y'a rien d'autre dans ce coin? Non. Ok, bonne nuit Alice. Enfin bonne nuit. Bonne soirée en tout cas, faites beaux rêves, bon courage. Voilà, bien sûr ça va être fermé, voilà. Va encore falloir qu'on tue plein de gens. Dans la joie et la bonne humeur. Oh attends, excuse-moi, je t'ai pas vu toi. Je fais péter les ingénieurs. Et ils explosent, voilà, c'est bon, c'est logique, tout va bien. Activons ceci, on a une jolie vue par là-bas. Alors, qui allons-nous devoir affronter? Le truc c'est que je sais pas si ça va durer assez longtemps ce machin, si je peux essayer de débuter facilement, cela je vais pas me casser la tête. Ah, comment bien se louper quand même. Toi je t'ai vu, oulala, toi je t'ai vu aussi, un petit peu tard peut-être. Ah, c'est célérité seulement. Là. Attends, viens là. T'imagines, j'ai failli te rater. Je t'ai raté. Toi, je t'ai vu, mais attends. Toi d'abord. Ok, tu l'auras voulu. Wow. C'était pas du tout le but, ça, mais bon. Attends. Fallait que je te tue, désolé.
Laquelle encore? Ouh, toi je te sens pas. Non, je te sens pas. Aïe. C'est bon, t'as fait boum? T'as fait boum. Bon bah ok, c'est fait. N'est plus là pour remettre son erreur. Et j'en conclusion, E.T. est un faillot. Oh. L'info, c'est tout, rien de compliqué pour un pro comme toi. D'accord, Seg. Voilà, normalement, la porte doit être pas tarder à s'ouvrir dès qu'on aura vidé le coin. Ok, une salle au bout à gauche là-bas. Et il semblerait que cette salle puisse s'ouvrir. Bon, ça nous fait 2-3 petites choses à visiter. Et pour cela. On a activé le champ de sécurité. Donc tout s'ouvre, parfait. C'est un sas, et là-bas y'a quoi? Bon, celui-ci c'est pas réouvert. Et là, à tous les coups, il y a un levier ou un truc comme ça activé, quoi. Va falloir que je cherche. Non, non. Je ne vois rien à première vue par ici. Bon, mais oh. Du coup, je vais le voir par là. Non. Ah, c'est ça qu'il me faut. Alors, quelle va être la mission? Armée d'un fusil d'assaut, éliminer toutes les cibles avant la fin du temps imparti, les déplacements sont réduits à 3 secondes après chaque élimination. Ok. L'opération de cellule. À ce point-là? €1 million. Moi aussi, la même pour moi, s'il vous plaît. J'en veux deux, même. Ça coûte rien de demander. Allez, c'est parti. Je suis en train de voir que mon téléphone est en train de se vider complètement de sa batterie. Il reste 17%, donc il pourrait s'éteindre d'une seconde à l'autre. Hop, là, on va le mettre en charge. Et comme ça, on est sûr de voir la fin du timer arriver. Lancez le défi. D'accord, je viens de comprendre le fonctionnement de cette chose. C'est pas juste leur truc là. Ils sont censés en éliminer combien là? Fini? Ah bon. Ok, bon, elle était pas si compliquée celle-là. €1 million. Ah bon, pas simple à réaliser? Bah je sais pas. J'ai pas trouvé si embêtant que ça au final. J'ai bien plus galéré sur certains autres. Bon, soif 201, ok, je sais même pas à quoi ça correspond, j'ai pas fait gaffe exactement. Ah, rien équipé, alors soif 200.
Mobilité en l'air. Ah, non mais chut, c'est bon. J'ai compris. Je sais pas trop quoi m'a fait changer. Ces 30 objets d'équipement. Je sais pas à quoi elles servent, tous ces machins, là, hop. 30 objets d'équipement. Non. Bon, on va ressortir du coup. Parce que je vois pas d'autre chose à explorer. Il y a l'air d'avoir un truc en dessous par là, là. Et j'imagine qu'on ne peut vraiment toujours pas retourner en arrière. J'entends des bruits bizarres. C'est frustrant de pas pouvoir retourner en arrière. En tout cas, c'est sûr, il y a un passage là-bas. Mais où faut-il aller pour l'ouvrir celui-ci? Ça là, il y a un truc derrière. Et une salle. La question c'est comment on y va? À moins que le levier soit sur la plaque là-haut, mais ça m'étonnerait quand même. Trouver moyen de mourir, moi. Je crois que c'était un rebord là-haut, mais non. Ça me frustre ce genre de choses en fait. Bah, bien sûr, il voudra pas se raccrocher au rebord. Il y a forcément un moyen d'ouvrir cette porte. En fait, dans le bâtiment juste au-dessus de nous. Au moins qu'il y ait peut-être un moyen de retourner là-haut. En passant par cette plaque-là. Il y a forcément un moyen de se déplacer là-haut. Par là pour voir. Bonjour. Non, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas revenir et rentrer ici. Ça là-bas c'est trop loin. Il n'y a pas de levier non plus ici. C'est lourd quand même ça. Je suis triste. On a raté plein de trucs et il y a encore une porte qu'on peut pas ouvrir. C'est pas juste. Je vois aucun levier dans les environs pour le moment. Ça se trouve, elle est censée s'ouvrir plus tard cette porte, hein, mais pour le coup, je vois pas où. Il y a rien. Ça se trouve, le levier était quelque part à l'intérieur et on l'a loupé. Décidément, je vois rien. À moins que ce soit dans cette salle-là. Y'a pas un truc qui traîne, non? Rien du tout. Bon. Toujours plus. Hmm.
Ouais, mais justement, j'ai débloqué, pardon pour le bâillement, j'ai débloqué les trucs qui permettent de tout repérer en un coup, je suis fatigué. Pourtant j'ai bien dormi. Tu vois, ils apparaissent sur la carte, ils apparaissent même de loin, c'est fait pour, tu vois. C'est fait exprès. Donc quelque part, on est censé tous pouvoir les récupérer à la première visite, je pense, mais là, pourquoi tant de haine? Va falloir qu'on m'explique. Il y a forcément quelque part dans le coin un lieu, enfin un endroit que je puisse explorer d'une manière ou d'une autre. Je trouve qu'elle n'est pas super pratique leur carte. Pour essayer de trouver l'endroit où je peux ouvrir ça. Bah ouais, une fois que j'aurai fini de le faire en live, j'aurai fini quoi, je repartirai pas dessus. Je sais pas si c'est vrai ce livre, mais c'est bizarre comme explication. Poète, Twitch et Deli, les deux déconnent? Ça vient pas de chez moi en tout cas. Apparemment. Bon, tant pis, on va laisser tomber parce que j'ai pas envie de m'acharner et de passer des heures là-dessus. Attends, y'a forcément un truc quelque part qui permet de l'ouvrir cette porte. Mais ça se trouve, c'était un levier qui était quelque part à l'intérieur ou ailleurs. Normalement, on les voit pourtant les leviers. J'ai l'impression qu'il y a cette plateforme au-dessus qui me travaille là, mais comment faire pour y accéder à celle-ci? Ça montera pas par là. Ouais. Ouais, mais ça sert à rien d'envoyer des vidéos. J'ai pas quitté le jeu à chaque fois pour regarder des vidéos comment c'est le truc. Oh, ils font, je trompe avec ta connexion. D'autant plus que je fais durer la vidéo. N'empêche, comme jeu bourrin, ce qui aurait pu être cool, c'est que je me fasse Penkier aussi, enfin les extensions. Le problème, c'est que les leviers ne se détachent pas spécialement du reste du décor. Donc pour les louper, c'est ultra pratique. Prends le grappin. J'aurais bien aimé. Oh punaise, Seg. Il est lourd le jeu là, il commence vraiment à être désagréable à ce niveau là. Pas se balader tranquille. Ah, attendez, je vais aller voir là-bas. Parce que je le vois bien et j'ai vu qu'il y avait un truc dans ce coin-là, il me semble. Voilà, secret trouvé. On va avoir loupé plein de secrets pour ça, quoi. Je suis frustration. Ils changent leur code au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est lourd. J'ai pris un peu au hasard. Santé, histoire de gagner d'avoir un certain équilibre. Alors le machin s'ouvre et se referme. Ouais. Ok, il y a un machin en dessous. Il y a d'autres trucs au-dessus. Oh pardon, je t'ai raté. Mais pourquoi ça l'a pas renvoyé ça aussi? Oh l'arnaque. Spo juste. Voilà, faut qu'il se calme. Du coup, on va redescendre par ici. Oh, y'a un truc ici là ou pas? Non, j'ai l'impression que ça passe pas par là. Ok, ok. Non, parce que ça va, les trucs qu'on peut ouvrir, on passe devant et on les ramasse. Bah, à tous les coups, je vais encore avoir raté un secret là. Du coup. Merci.
On serait dans Star Wars. Bonjour. Oh, toi, je t'ai vu de l'autre côté là-bas. Je te vois. Ça se trouve, j'étais censé passer par ailleurs, mais bon, tant pis. On va voir. Ok. Non. Ah, mais je trompe. D'accord. Viens là. Ok. Et ensuite, faut que j'aille où? Ah d'accord, ça s'ouvre ici en fait. Voilà. Et j'ai pouvoir accéder à l'autre. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Non, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Je joue, mais comme une quiche. Votre force, c'est voler des machins. Coucher. Je n'apprécie pas qu'on vienne m'embêter. Alors, avant d'activer... Alors, lui, je vais désactiver d'abord. Et je vais descendre ramasser ce qu'il y avait au fond. Voilà, viens là, toi. Et hop, nouveau secret trouvé. Alors... Ouais, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Maintenant, faut remonter. Dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Merci. On va rallumer les ventilos. Et je parie qu'après on doit monter un étage. La question c'est de quel côté devons-nous monter? On va essayer de monter de ce côté-là pour voir. Je vole! Et je me prends le plafond! On se croirait presque dans Star Wars là. Là-bas du dimanche, je cite. Alors où est-ce que je peux aller? Là en face, j'ai envie d'aller voir. Et je sais pas si c'est dans ce coin-là qu'il faut que j'aille ou pas. Je suis où là? Mais non, mais c'est pas là que je voulais aller. Ça, ça mène vers l'autre lieu, voilà, l'autre machin qui me fait décoller, ok. Donc on va aller par là. Voilà. Et c'est tout? Bon d'accord, s'il veut, c'est tout. Donc ça veut dire que là, ok, et là j'ai raté le pouvoir. Bon. Et là j'ai raté un autre truc. C'est frustrant. J'étais arrivé par où là? Par en dessous je crois. Comment je fais pour rater autant de trucs? Ça me rend triste. Parce que là du coup pour réussir à descendre faudrait que je... Ouais non mais attendez, on va couper un des ventilos, on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Ça me perturbe d'être aussi quiche quand même. Mais descends. Voilà. Ok, bah non, je peux pas revenir en arrière quoi qu'il arrive. Bon, bah comme ça, c'est réglé. Ce niveau me frustre. Non, mais. Oh. Voilà. Je m'en sortais mieux sur le niveau précédent quand même. J'avais pas cette impression constante qu'il faut revenir en arrière tout le temps, enfin qu'on peut pas revenir en arrière. On va avancer, on verra bien où ça nous mène maintenant, parce que de toute façon on n'a plus le choix. Non, c'est de ce côté-ci. Et on a dit sur la gauche, il y a 2-3 trucs à récupérer. J'ai super mal à ma main, pourquoi? C'est désagréable. Bon, toi, faut que tu me dises tes secrets, voilà. Petit coup de...
Alors, on va où? Il y a un truc à droite à récupérer. Là, c'est fermé. Je sais pas ce que j'ai fait à ma main, mais elle me fait bien mal. C'est assez désagréable. Oh, des gens! Pardon. Intrusion immédiate terminée. C'est tout ? Alors là, il y a des petits bonus. Là, ça me rappelle qu'il fallait que je marque une pause. Donc là, il y a un truc à récupérer. Là aussi, apparemment, il y a un PDA. Donc ça serait bien qu'on essaie de visiter toutes les salles. On va les faire dans l'ordre. Voilà. L'accélération qui stoppe, lui. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. D'accord, c'est une arme spéciale. Hop, un PDA sur les armes BFG 9000. Ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose éventuellement dans le coin ? Bon, est-ce que je peux pas récupérer l'arme qui est là ? Non. Même pas un peu, non. Tant pis. Donc on va essayer d'aller voir par là. Bonjour ici. Oh, je vois qu'il vous manque des morceaux. Ah, faut acquérir des morceaux, d'accord. Je sais pas à quoi ça va servir, mais bon, j'en ai ramassé un. Ok. Est-ce qu'il fallait que j'en ramasse un aussi là-bas ou pas? Coucou Zetral. Coucou Nico, je t'ai pas vu arriver aussi, excuse-moi. Y a-t-il des morceaux de cadavres dans le coin que je pourrais éventuellement ramasser, avec lesquels je pourrais jouer ou... Non, rien. C'est le vide absolu dans cette salle. Donc on a vu cette salle et la suivante. Là-bas on a vu aussi, ici on n'a pas essayé d'y aller encore. Ils tapent des accélérations les mecs, c'est violent quand même. Oh elle m'agace cette arme. J'ai l'impression que je tire mal mais des fois j'ai aussi l'impression que c'est l'arme en elle-même qui fait des bêtises. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, et là fallait que j'aille voir. Parce qu'il y a un truc en bas. Oui, il y a un PDA. Ah, au-dessus, il y a un truc ici. Ouh, il y a un truc. Je veux aller voir. Ah mais non mais je m'en fous de ça. Il y a un truc au-dessus ici. Sauf qu'apparemment je ne suis pas censé accéder à cette zone par là. D'autre côté. L'armement des démons. Chut. Est-ce que c'est par là qu'il faut que je passe? Apparemment oui, là-bas il y a un truc. Ouh je suis content. Voilà, voilà. Ah. Et ça, c'est mission accomplie. Le corps par terre. Oh. Mais je sais pas s'il faut que je recolle les morceaux, mais c'est plutôt sympathique comme principe.
ramasser des morceaux de gens pour essayer d'en faire qu'un seul et unique. Et après on le ressuscite et on fera des tas de choses. Ah non, mais en fait ce que j'ai raté ici c'était un truc de... Ah, c'était une figurine de collection, donc on pourra même pas faire les défis. Qu'est-ce que ça me frustre de pas pouvoir revenir en arrière à chaque fois là. Accès autorisé. Bonjour Dr. Peters. Merci Dr. Peters d'avoir participé. Anomalie biométrique détectée. Scan en cours. Personnel non autorisé. Confirmé. Début de l'expulsion dans 5, 4, 3, 2, 1. Haha. Activation du système de sécurité laser. D'accord, c'est bon ça. C'est joli, c'est joli. Salut Player One. Ils vont le faire combien de fois ça? D'accord, faut que je fasse ça en fait. Je viens de comprendre. Ok. Ah non, faut pas faire ça, Isa. Pauvre Pat. Je viens de comprendre qu'il fallait que je pète les lumières rouges et laser. Ah non, 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 non! Ça, c'est pas juste. Le personnage a refusé de faire un deuxième saut. Enfin, a fait le... s'est pris le plafond. Je sais pas comment il a fait, mais... Oh, je suis dégoûté. De toute façon, c'est le moment de faire une pause, je crois. Alors, je sais pas si je reste sur ce jeu, si je passe à autre chose. J'ai un doute. J'hésite. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'était pas une mission impossible, mais sur le coup, voilà, ça dégoûte un peu, là. C'est pas ça. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Pourquoi je suis resté coincé ? Bah non, mais je suis pas censé rester coincé, là. Pourquoi je me suis pris un truc sur la tête ? 4, 3, 2... Déception quand tu nous tiens. Activation du système de sécurité laser. J'ai bien cru que j'allais me rater, mais... Et j'en récupère comment, là, la machine ? Ici, 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 ici. Ils sont passés où les lasers ? Ça a l'air rigolo ça. On va voir si j'ai un gros ennemi à abattre et alors en appuyant sur la touche T. Ok. C'est noté camarade. Alors de l'autre côté on a plein de gens. Enfin, pas plein de gens, on va aller par là. J'avais dit qu'il fallait faire une pause. Petite pause, on restait sur le jeu. De quoi ?